Bonjour. À l'occasion de la canonisation de Jean-Paul II, nous pourrions méditer une nouvelle fois sa lettre encyclique Redemptoris Mater. Pour l'année mariale qui avait eu lieu entre la Pentecôte 1987 et l'Assomption 1988. Cette lettre encyclique a certains accents qui sont à la fois profondément fidèles au Concile Vatican II et en constituent en quelque sorte un commentaire de Lumen Gentium chapitre 8, et en même temps des accents novateurs, personnels de la part de Jean-Paul II. Jean-Paul II commence par nous présenter Marie dans le mystère de la grâce divine. Marie comme femme qui répond à la grâce divine par la foi et qui reçoit une grâce exceptionnelle, celle d'être la mère de Dieu. Et Marie qui vit cette grâce dans un pèlerinage de la foi. Non seulement mère au sens biologique, mais mère dans le cadre du royaume de Dieu, ce qui ouvre à une maternité spirituelle. Alors dans la deuxième partie, Jean-Paul II nous montre l'Église non pas comme une institution bien installée, mais comme une Église en marche, en pèlerinage, reprenant les images de l'Exode biblique, images de l'Exode que l'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Et dans cette Église en marche, Marie est à la fois l'étoile qui guide et à la fois la première en chemin, parce qu'elle a vécu un pèlerinage de la foi. Et dans la troisième partie, Jean-Paul II nous montre que la relation de Marie à l'Église n'est pas quelque chose d'abstrait, mais que c'est une relation personnelle à chacun d'entre nous. Une relation d'amour maternel à laquelle chacun peut répondre par une offrande de soi. Alors, commençons. Dans la première partie, vous verrez, c'est rempli d'espérance. Après l'introduction, par ailleurs très œcuménique, puisque Jean-Paul II part de la lettre aux Galates, Saint Paul est tout de même relativement sobre par rapport à la Vierge Marie. Il en parle peu, il ne prononce même pas son prénom, Marie. Il parle de la femme par laquelle finalement l'incarnation s'est produite. Dieu envoya son Fils à la plénitude des temps. Donc cette introduction nous situe Marie comme celle par qui la grande kénose du Fils de Dieu est possible. Là, on rejoint des exégèses protestantes, aussi bien que l'exégèse de Saint Louis-Marie de Montfort. Le cœur de la théologie mariale, c'est l'incarnation. Marie est celle par qui Dieu a pu s'humaniser, le Verbe a pu se faire chair. Le Fils de Dieu a pu devenir homme et souffrir la croix pour notre salut. Et cela à la plénitude des temps. Autrement dit, il y a un accomplissement de la promesse faite à Abraham, puis à David, et il y a une entrée de l'éternité dans notre temps, dans notre histoire. Voyez-vous, à notre époque, on parle beaucoup de sécularisation. Mais ici, Jean-Paul II nous montre le mystère de l'éternité qui entre, qui nous rejoint dans l'histoire des hommes. Pensez qu'il y a toujours un double mouvement. Nous, les chrétiens, eh bien, nous allons dans le monde. Mouvement de sécularisation. Et en même temps,
comme l'éternité est entrée dans le temps, nous présentons à Dieu ce monde, mouvement de consécration. Eh bien, en Galates, Dieu entre dans l'histoire, il entre dans le temps. C'est vertigineux. Celui qui est éternel, eh bien, il a une naissance que les historiens peuvent dater. Et cela par Marie. Après cette introduction qui situe les choses de manière profonde, grandiose, il y a ce thème de la grâce qui est un thème de l'espérance. Dieu entre dans notre histoire, bien. Et notre histoire est soulevée par la grâce divine. Alors Jean-Paul II prend l'hymne aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père. Dieu le Père nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc la grâce nous concerne tous, aux cieux, dans le Christ. Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. La grâce est liée à l'élection. Il y a un plan divin, un projet, non pas un plan au sens où nous serions prédéterminé, mais un plan dans un sens où il y a un projet, un but. Dieu n'a pas créé les choses sans but. Et dans ce plan, dans ce but, nous avons tous notre place. Mais Marie, de façon particulière. L'élection de Marie, c'est qu'elle est élue pour être la mère de Dieu. Il n'y en a qu'une. Mais nous sommes tous participants de la grâce, inclus dans le plan divin. Cette grâce, c'est un germe de sainteté, nous dit Jean-Paul II. Et reprenant une image que l'on voit très fréquemment chez sainte Thérèse d'Avila, elle est une source, comme une source dans notre âme. Thérèse d'Avila, ça c'est pas Jean-Paul II, n'en parle pas à ce moment-là. Hein. Thérèse d'Avila dit que quand nous prions, au début, on fait comme quelqu'un qui prend de l'eau dans un puits pour arroser un jardin. Et puis, petit à petit, eh bien, l'Esprit-Saint fait jaillir une source et le jardin est largement irrigué et il devient grand et verdoyant. Eh bien, c'est cette image de la source dans l'âme que Jean-Paul II reprend pour nous expliquer ce qu'est la grâce. La grâce vivifie. Elle fait de notre âme un jardin verdoyant. Eh bien, Marie est pleine de grâce et sa virginité devient féconde. Elle devient mère de Dieu. Jean-Paul II continue le commentaire de l'hymne aux Éphésiens. L'hymne aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3, 4, 5, 6, 7, nous parle de la gloire de la grâce. Le mot gloire signifie une renommée, signifie quelque chose qui a du poids, en hébreu kabod. La gloire de la grâce, dont Dieu, le Père, nous a gratifiés dans le Fils bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang. Marie a la grâce, elle est pleine de grâce parce qu'elle est rachetée de façon suréminente. Et cette gloire de la grâce nous donne de l'espérance. Parce qu'il y a dans cette élection plus de puissance et de force que dans toutes les forces du mal que nous voyons dans l'histoire et dans le monde. La gloire de la grâce est une puissance victorieuse du mal. La Vierge Marie et son fils Jésus, le Rédempteur, accomplit la promesse de Genèse 3, verset 15, la victoire sur le serpent démoniaque, victoire que l'on retrouve en Apocalypse 12,
Et tout cela vient de la gloire de la grâce, par le sang du Rédempteur, l'agneau. Voilà, c'est cette vision qui inspire Jean-Paul II. En Redemptoris Mater, donc les paragraphes 7 à 11, nous avons fait. Nous continuons, paragraphe 12. Jean-Paul II va développer le thème de la foi de Marie. Il y a la grâce, et la réponse à la grâce est nécessaire. Nous ne sommes pas totalement passifs, il faut une réponse. Cette réponse, c'est la foi. Au moment de l'Annonciation, Marie répond par la foi. Elle adhère. Et Élisabeth en a parfaitement conscience. Au moment de la visitation, en voyant sa parente Marie, elle s'écrie « Bienheureuse celle qui a cru ». La foi de Marie. Le Père, que le Concile appelle le Père des Miséricordes, a voulu que l'incarnation soit précédée par le consentement de Marie, par sa foi. Marie a répondu à l'ange : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Le « qu'il me soit fait », le fiat de Marie, est essentiel. Il a déterminé du côté humain l'accomplissement de l'incarnation. Si vous voulez, dans l'incarnation, il y a la volonté du Père. Il y a aussi la volonté du Fils, qui, selon la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, adhère au Père. Il dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Le oui du Fils et le oui de Marie. Le oui de Marie, son fiat, son « qu'il me soit fait selon sa parole » a rendu possible la réalisation du dessein de son Fils. Et Marie a prononcé ce fiat dans la foi. Dans la foi. Certes, elle est la première à qui Dieu a révélé son Fils. Vous avez en Matthieu chapitre 11, versets 26-27, il est expliqué que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Eh bien, Marie est la première de ses petits à qui le Père révèle le Fils, à qui le Fils se révèle. Et cependant, Marie vit dans la foi. Elle a bien reçu la révélation du Fils. Elle a compris que le Fils vient du Père, qu'il est Dieu. Mais cependant, c'est dans la foi. On le verra très nettement dans l'épisode de Jésus à 12 ans. « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Et son père et sa mère ne comprirent pas. Il y a un voile, une peine du cœur, une nuit de l'esprit, selon l'expression de saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel. Et en même temps, il y a une lumière. Siméon dit que Jésus est la lumière des nations. Il y a une lumière à Noël. En pleine nuit, les bergers qui sont au champ voient une grande lumière. Une lumière pour les mages venus d'Orient. Ils sont guidés par une étoile. Ils viennent adorer. Ils sont illuminés de l'intérieur. Mais, dit Siméon, cette lumière des nations est en but à la contradiction. Et s'adressant à sa mère, un glaive te transpercera le cœur. C'est tout cela qui forme un pèlerinage de la foi. Si vous voulez, Marie, elle a marché dans un clair-obscur. Et toute l'apologétique chrétienne
pourra toujours donner des signes, des arguments, des preuves, mais il y aura toujours ce clair-obscur, cette marche, ce pèlerinage de la foi. Et Jésus qui va louer le Père, « Je te loue, Père, car tu as caché ces choses aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout-petits. » Marie, qui a été la première à qui le Père a révélé le mystère du Fils, et Marie, toute immaculée, Vierge, Mère de Dieu, Marie qui nous attire comme l'étoile de la mer, Marie qui nous repose parce que justement elle est toute sainte et toute immaculée, Marie qui nous attire et nous repose, mais qui nous dit « marche ». Marche, suis-moi dans le pèlerinage de la foi, dans un clair-obscur, sur cette terre, rien de facile. À l'Annonciation, Jean-Paul II le souligne à plusieurs reprises, l'ange a annoncé à Marie que le fils qu'elle va concevoir sera fils de David et son règne n'aura pas de fin. Le règne de Jésus. Mais où est le règne de Jésus quand il meurt sur la croix? C'est difficile pour Marie. Bien sûr, après la Pentecôte, le règne de Jésus est davantage visible dans l'Église. Cependant, l'Église elle-même continue de marcher dans un pèlerinage de la foi. La constitution dogmatique de Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, le paragraphe 9, Jean-Paul II le rappelle, le souligne, ne présente pas l'Église comme un royaume installé, mais comme une Église en marche, comme le nouvel Israël, non pas l'Israël de David, mais l'Israël des Hébreux en marche dans le désert. Si vous voulez, non pas une royauté comme celle de David ou Salomon qui est quelque part installée, mais un peuple qui marche étape par étape et qui reçoit chaque jour la manne au désert. Et en un sens, même David et Salomon étaient toujours en marche. Dans le temple de Salomon, il y avait l'arche d'alliance, avec ses barres pour être transportées. Souvenir vivant de la marche au désert. Nous sommes un peuple perpétuellement en marche. Gardez bien ces images. Le mot pèlerinage, cheminement, pèlerinage de la foi, est un leitmotiv de la lettre de encyclique Redemptoris Mater. Oui, Marie nous attire, mais ce n'est pas pour nous reposer dans son sein maternel, c'est pour nous mettre en marche, dans la foi. La foi de Marie, donc arrêtons-nous un peu au calvaire. Le règne du Christ est difficile à percevoir et pourtant le Christ règne dans le cœur de Marie. Marie qui est debout au pied de la croix, c'est-à-dire debout dans la foi. Comme avec saint Paul dans la lettre aux Romains chapitre 11, elle peut dire que les voies de Dieu sont incompréhensibles. En Marie, l'action de la grâce, puisqu'elle est pleine de grâce, cette action de la grâce est magnifique, elle est stupéfiante. C'est vraiment la gloire de la grâce, c'est vraiment la puissance de l'Esprit-Saint qui fait que Marie est debout. Et il y a un rayonnement de la foi de Marie. Bien sûr, l'heure de la croix est une heure de ténèbres, mais il y a un rayonnement mystérieux. Rayonnement de la foi de Marie, rayonnement de l'amour du Christ rédempteur, rayonnement de l'amour de Marie. Son amour qui prend
une nouvelle dimension qui s'est approfondie justement dans ces heures dramatiques de la croix auprès du Christ miséricordieux. Cet amour qui va faire de Marie la mère des hommes. Nous en venons au paragraphe suivant. Redemptoris Mater, nous arrivons au paragraphe 21. Jean-Paul II va maintenant nous parler de la maternité de Marie. Il va le faire en trois étapes. Tout d'abord, il va commenter ce passage de Luc au chapitre 8 où Jésus dit aux disciples et à ses familiers « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Ma mère et mes frères, il y a donc une nouvelle maternité, une nouvelle fraternité. Dans le cadre du royaume, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. En Matthieu, il est question de la volonté du Père. La maternité, donc spirituelle, est dans la lumière de la paternité divine. Écouter la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Bien sûr, Marie, depuis l'Annonciation, a écouté la parole de Dieu par l'ange. Bien sûr, elle a obéi à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Et donc, Marie découvre une nouvelle maternité. Elle n'est pas seulement mère biologiquement, mère qui a éduqué son fils, mère de Jésus. Elle est mère dans un sens nouveau. Et elle le découvre en même temps qu'elle l'a toujours vécu. Deuxième passage important, les noces de Cana. On connaît l'histoire. Jésus semble invité à des noces parce que la mère, sa mère y était. Et les mariés ont invité des gens et il manque de vin. Sa mère s'en aperçoit, elle le dit à Jésus, qui lui répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Et cependant, Marie, la mère de Jésus, dit aux servants « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jésus leur dit « Remplissez d'eau les jarres, ils les remplirent jusqu'au bord, présentez-en au maître du repas, et voici que l'eau était changée en vin ». Miracle qui fait que les disciples crurent en lui. Regardez le rôle de Marie. C'est la mère de Jésus. Elle se sent le droit d'exprimer à Jésus les besoins des hommes, les besoins de toutes sortes. Besoin d'honneur, de ne pas perdre la face devant les invités en n'ayant plus de vin à offrir. Besoin de joie, besoin de bénédiction pour un mariage. Elle présente à Jésus les besoins, tous nos besoins. Elle s'en sent le droit en tant que mère. Et puis, elle dit aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira. Elle transmet aux hommes la volonté du Fils. Il y a donc une double médiation. Il y a une sollicitude de Marie. C'est cela, sa maternité spirituelle. Une maternité pleine d'attention, une médiation maternelle. La troisième étape, c'est au calvaire. Au calvaire, dans le testament de Jésus. Jésus vit au pied de la croix plusieurs femmes, dont Marie, sa mère. Et il vit le disciple qu'il aimait. Et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Il y a donc, par la participation de Marie à l'amour rédempteur, un élargissement de sa maternité, une maternité vis-à-vis du disciple. Voilà, donc Marie, mère, notre mère.
Dans la deuxième partie de l'encyclique, Jean-Paul II va détailler le pèlerinage de la foi de l'Église. L'Église, je l'ai dit, qui est comme un peuple en marche, comme Israël au désert, et qui, dans son pèlerinage de la foi, regarde Marie. Et non seulement regarde Marie, comme on regarde l'étoile de la mer, mais a Marie pour mère. Donc, Marie est un modèle de l'Église, le modèle de la Vierge fidèle dans la foi, le modèle de la mère qui engendre dans la foi, mais elle est aussi une mère. Elle est présente dans l'Église, l'Église qui fait advenir le règne de Dieu sur la terre. Alors justement ce règne, le règne du Christ n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui l'a dit devant Pilate pendant sa passion. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'Église toujours s'en souvient. L'Église est un peuple présent dans tous les peuples. Ce n'est pas un royaume. Même si, j'ouvre ici une parenthèse, même si dans son histoire, l'Église a parfois été liée à certains empires ou certains royaumes. Pensons à la liaison de l'Église avec l'Empire romain en temps de Constantin, avec l'Empire romain germanique au Moyen-Âge, avec le tsar en Russie, avec tel ou tel royaume franc, français. Ces liens entre un État et l'Église n'est pas ce qu'il y a d'important. L'Église est un peuple présent dans tous les peuples. Et le royaume du Christ n'est pas de ce monde. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, la réforme grégorienne a essayé de retrouver son indépendance, justement par rapport aux empires qui, sous prétexte de la servir, la servissaient, la dominaient. Le royaume n'est pas de ce monde. Et Marie, présente dans l'Église, est présente dans l'action de l'Église qui fait entrer dans le monde le règne du Christ. Il y a une coopération entre l'Église et Marie. Marie présente auprès de l'autel, auprès des fonts baptismaux. Elle est invoquée par l'Église. Si elle est invoquée, c'est parce qu'elle est présente. Et en même temps, elle ne remplace pas les ministres ordonnés. Voilà. Donc Jean-Paul II va patiemment reprendre Lumen Gentium 61, 62, 63, 64, 65, tout ce qui est dit sur Marie et l'Église. Et le fait même de situer l'année mariale entre Pentecôte et Assomption, entre Pentecôte et Assomption, c'est bien Marie dans le mystère de l'Église. L'Église qui naît à la Pentecôte et qui est illuminée par le mystère de l'Assomption, qui dit déjà la communion avec le ciel, la communion avec l'Église du ciel, où Marie est la première en chemin. Dans sa troisième partie, Jean-Paul II parle de la médiation maternelle de Marie et aussi finalement de sa coopération au Christ rédempteur. Le titre de l'encyclique, Marie mère du rédempteur, dit déjà médiation et coopération rédempteur. Mais cette coopération est soumise et subordonnée à la médiation de l'unique médiateur, comme le dit le Concile, comme le rappelle Jean-Paul II. La première soumission de Marie à l'unique médiation du Christ, bien c'est quand elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Marie accepte d'être la mère du médiateur,
de celui qui est médiateur parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, l'unique médiateur. Je suis la servante du Seigneur, servante du médiateur. Et en même temps, médiatrice, ben oui, c'est bien par elle que le Verbe s'est fait chair. Le Concile aussi, au paragraphe Lumen Gentium 62, nous décrit le mystère de la coopération. L'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source. Et ainsi, l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures. Alors, cette coopération de Marie Jean-Paul II la médite. Pourquoi nous pouvons avoir confiance en Marie? Pourquoi Marie s'est dite si spontanément « Je suis la servante du Seigneur » Pourquoi cet élan? Eh bien, parce que précédemment, elle s'était toute donnée à Dieu dans la virginité. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Ce don de soi dans la virginité, ce don radical, nous inspire confiance. Marie s'est toute donnée. Elle est servante. Certains disent, bah oui, elle est transparente à Dieu. Mais le mot de transparence pourrait signifier qu'elle n'est plus rien. Pas tout à fait ça. Jean-Paul II souligne simplement servante. Toute donnée. Il fait le lien entre virginité et maternité divine. C'est bien parce qu'elle est vierge qu'elle est toute donnée à Dieu qu'elle a répondu « Je suis la servante de Dieu » et qu'elle est devenue la mère de Dieu et que nous avons confiance en elle. On a confiance dans les gens généreux qui sont tout donnés. Et c'est pour cela qu'aussi, Lumen Gentium 62, l'Église reconnaît la médiation de Marie, la recommande. Elle a confiance, l'Église a confiance en Marie. Alors on continue encore. Jean-Paul II va souligner encore, avec Lumen Gentium 61, une dimension d'amour. Marie est généreusement associée à un titre absolument unique. Marie a été fidèle dans son pèlerinage de la foi jusqu'au pied de la croix et s'est réalisée sa coopération maternelle à la mission du Sauveur. Jean-Paul II parle de collaboration à l'œuvre du Fils Rédempteur. Elle s'est imprégnée d'une charité ardente. C'est un mystère d'amour. Et c'est par cette ardente charité qu'elle a travaillé à ce que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. La vie surnaturelle qui est une vie d'amour. Elle est devenue pour nous mère dans l'ordre de la grâce. Voyez-vous, Jean-Paul II finalement ne fait que commenter le Concile en soulignant certains liens, une certaine dynamique toute intérieure. Marie qui se donne dans la virginité, qui est servante du Seigneur. Marie qui est ardente de charité et qui devient notre mère dans l'ordre de la grâce. Il y a donc une coopération entre elle et le Christ, sans pour autant que Marie soit à côté du Christ. Non, elle est toute subordonnée. Alors, Marie qui a coopéré toute sa vie et qui coopère dans le temps de l'Église, sera aussi, au temps du retour du Christ, médiatrice de clémence lors de sa venue définitive. La venue définitive qui a été annoncée par Jésus lui-même. Souvenez-vous, il a même dit « Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Jésus a donc parlé de son retour. Et le livre de l'Apocalypse nous fait dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus !» Mais ce retour est aussi un jugement. Et Marie,
sera médiatrice de clémence. Non pas que Jésus ne soit pas miséricordieux, mais parce que Marie est une mère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces derniers temps, dans les temps de l'Église? Eh bien, Marie conduit les croyants, et puis finalement tous les hommes, les conduit à la foi, les conduit au Christ, qui est le roi des rois, dit l'Apocalypse. Alors Jean-Paul II nous dit, servant le Christ également dans les autres, Marie est la première de ceux qui conduisent leurs frères dans l'humilité et la patience jusqu'au roi dont on peut dire que le servir, c'est régner. Servir ce roi, c'est régner. Encore une fois, une image du royaume qui est toute intérieure et finalement humble. Marie est au service de l'incarnation, l'Église est au service de l'adoption filiale par la grâce. Et entre Marie et l'Église, il y a un lien très fort. Jean-Paul II, ensuite, dans le magnifique paragraphe 45 de Redemptoris Mater, souligne la dimension personnelle, presque intime, de la relation entre chacun de nous et Marie, entre le croyant et Marie. Vous savez que Jean-Paul II était orphelin à l'âge de 9 ans. 9 ans, c'est pas tout petit. Hein ? 9 ans, on est déjà... On a l'âge de raison, comme on dit déjà depuis un peu. Hein. Et sa maman, qui s'appelait Emilia, lui avait appris que Marie est la meilleure des mères. Marie est la meilleure des mères. Et le petit Karol Wojtyla, il avait bien compris que Marie est la meilleure des mères. Quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, il a compris. Et quand sa maman décède, ce n'est pas une substitution psychologique en disant ben voilà, maman est morte, maintenant ce sera Marie ma maman. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est beaucoup plus profond. À 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, le petit Karol Wojtyla, qui avait appris que Marie est la meilleure des mères, considère Marie comme sa mère, mais en la mettant bien à sa place. Marie, mère de Dieu. Voilà, il ne fait pas une espèce de confusion psychologique qui finalement console bien peu. Parce que Marie, on ne la voit pas, c'est dans l'ordre de la foi. Ça ne remplacera pas une maman que l'on voit. Mais il avait compris qu'elle est la meilleure des mères. Et à 9 ans, on est capable de prier, de voir dans l'invisible des choses, même beaucoup plus jeunes. Et quand il a 20 ans, voilà, c'est la guerre, il y a le travail obligatoire, il travaille aux usines Solvay de Cracovie. Un travail dur, salissant. Mais il a dans sa poche le traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie de Montfort. Et il apprend beaucoup de choses qu'il a mis dans l'encyclique. Il apprend Saint Paul aux Galates, Marie est celle qui permet à Dieu... l'humanisation, que le Verbe se fasse chair à la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, voilà, la charnière. L'éternité rentre dans le temps, la charnière, Marie. Marie, à la plénitude des temps, il comprend ça. Il comprend la médiation maternelle de Marie, dont parle le Concile, et que Saint Louis-Marie de Montfort avait déjà largement expliqué dès les années 1710. Il lit cela et il comprend que la réponse au testament de Jésus, « Voici ta mère », c'est une offrande de soi, une consécration au Christ par les mains de Marie. Et à 20 ans, le jeune Karol Wojtyla fait sa consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie. Quand il sera pape, tout naturellement, ça deviendra sa devise. Totus, tous, tout à toi, Marie. Alors, dans la lettre encyclique, il ne raconte pas son enfance et sa jeunesse, mais il souligne que la relation, cette médiation maternelle de Marie,
sa relation à l'Église, c'est pas abstrait, mais c'est à chacun d'entre nous. L'amour de Dieu, c'est pas un amour de Dieu, voilà, je vous aime, mais je t'aime toi et pas un autre. Enfin si, j'aime l'autre, mais d'une façon différente, chacun unique. Chacun, c'est bouleversant. Chacun, mais voilà, chacun aimé par Dieu, par Marie, par Jésus, unique. Jésus t'aime, voilà. Et toi, tu as une relation à Marie unique, et tu vas lui répondre de manière unique, par une offrande de toi. Voilà, ça c'est la finale de la lettre, enfin la finale, l'un des sommets à la fin de la lettre encyclique. Ensuite, je n'ai pas développé tous les thèmes, parce que cette lettre encyclique est extrêmement riche. Il y a des passages magnifiques sur l'œcuménisme, l'attention aux protestants, à l'Église orientale, aux icônes, aux hymnes, au Père de l'Église, une attention au sanctuaire du monde entier, au féminisme. Vous savez que Jean-Paul II, très sensible au courant féministe, non pas tant celui des pays occidentaux, mais celui de la Russie. En Russie, le mouvement féministe a une connotation un peu différente. Les femmes des mouvements féministes avaient dédié leur mouvement à Marie. Et leur aspiration, c'était pas tant de se libérer du machisme des hommes, mais plus généralement du carcan d'une société matérialiste qui détruit non seulement la virilité des hommes, mais aussi la féminité des femmes, qui abîme tout. Et alors elle se disait, ben voilà, on veut être des femmes avec Marie. Alors qu'est-ce qu'elle voyait en Marie? Mais ce mouvement existe encore, hein. Ben, la douceur maternelle, mais aussi la force, Marie debout au pied de la croix, mais aussi ben, cette harmonie entre, ben, on sait bien que les femmes, elles ont de l'intuition, ben, cette pénétration intérieure qui fait voir des choses, et en même temps, une délicatesse qui va donner une vérité, mais avec des paroles d'encouragement. Ça, c'est très féminin. Et puis, toutes ces qualités féminines que l'on voit en Marie, et qu'elle désirait, au moment où finalement le communisme va tomber. Hein. Alors, l'Église vénère Marie comme sa mère spirituelle, et même comme la mère spirituelle de toute l'humanité, qui va attirer au bien, par ses vertus, toute l'humanité, même ceux qui rejettent la Trinité. Hein. Alors, l'encyclique se termine par un chant d'émerveillement. « Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté à l'émerveillement de la nature celui qui t'a créé. Amen. Au revoir.